Ok, c'est parti. L'étranger, un homme étrange, couvert de tatouages, est venu chez nous et a attaqué Père. Cela a dû être un sacré combat. Tout est cassé. Père pensait que je n'étais pas prêt, mais il a apparemment changé d'avis après avoir tué cet homme, tué cet étranger. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il nous voulait? Nous n'avons rien de spécial. C'est vrai qu'ils ont rien de spécial. Atreus, avec moi! D'accord, il a créé un chemin. Ok, mais on peut pas revenir en arrière? Parce que j'ai oublié les jouets d'un. J'ai oublié un jouet, le jouet du gamin. Peut-être qu'on peut se téléporter? Sur le pont. Sur le plus haut sommet de la montagne. Bon, ça j'ai déjà lu. Départ pour la montagne. Père a battu l'étranger qui s'est présenté chez nous, mais nous ne sommes plus en sécurité ici. Prêt ou pas, nous partons pour la montagne. Ah, c'est chiant, j'ai oublié un jouet. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais le trouver ici? J'espère que oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'était? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? J'ai fait ce que j'avais à faire. Ils sont super bien modélisés, Kratos. J'aurais pu mourir. Ne me laisse plus jamais seul, d'accord? D'accord. Monte. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi.
tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Je comprends. Alors, la gonzesse qui double le petit garçon, elle est aussi doublée dans Wakfu, comme la fille qui double Ellie. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'elle aura autant d'importance? Est-ce qu'elle aura autant de... Voilà, est-ce qu'elle... Parce que c'est plutôt un personnage assez important, Ellie, malgré tout. Même si je la déteste, reste un personnage super important. Je me demande si elle aura autant... Si le petit garçon aura autant de succès que... Que Ellie, que le personnage de Ellie. Tu veux bien m'aider à monter là-haut? J'aurai une meilleure vue. La seule chose à faire, c'est de traverser ce pont. Baisser de là-bas. Vas-y. C'est bon. Atreus. Oui, père. Ce seau, tu crois que c'est pour les offrandes? Maman disait que les disciples d'Odin les remplissaient de cadeaux et les accrochaient hors de portée des voleurs. Celui-ci a l'air très vieux. Stupide. Quoi? De vénérer les dieux? Les dieux n'ont que faire des offrandes, et les hommes ne devraient pas vénérer des monstres.
Kratos, c'est pas qu'il croit pas en Dieu. C'est pas qu'il croit pas. C'est pas qu'il croit pas aux dieux. C'est qu'il déteste les dieux. C'est encore pire. Je crois qu'il pourrait tuer Allah, Jésus. Enfin, Dieu, quoi. Jéhovah. Il les tuerait tous. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Il y a quelque chose là-haut. Attends, comment tu vas traverser ? Père, est-ce qu'on croisera des gens sur la route ? Oui. Gentil ? Non. Ils essaieront de nous détrousser ? Peut-être bien. Oui. Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais le symbole est brisé, là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça ? Viens. Trop tard pour les regrets.
Dis, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Il nous voit pas. Je tire. Attends mon signal. Est-ce qu'on va les attaquer? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on... Tais-toi! Arrête de poser des questions! D'autres drogas! Pardon, je suis pas prêt! Indicateurs de menace. Les indicateurs de menace autour de Kratos pointent vers les ennemis hors champ. Indicateur doré signale un ennemi proche. Indicateur qui clignote en rouge annonce une attaque imminente. Indicateur qui clignote en violet annonce une protection à l'approche. Attention, derrière toi!
Alors, glace pilée. Servait la mort sur glace. Ennemi brisé 1, gelez vos ennemis en lançant votre hache avec R2, puis les frappez-les avec alors qu'ils sont immobilisés. Ok. Celui la lance du feu! Comment il fait ça? Atreus, concentre-toi! Il nous voit pas. Je tire. Attends mon signal. D'autres drogas! Liste! Non, attends! Derrière toi!
lui la lance du feu. Comment il fait ça? Atreus, concentre-toi. D'autres ennemis, concentre-toi. Je suis prêt. Aider? Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont... Alors, Drogar lanceur. Ce Drogar lance des boules de feu. Comment est-ce possible? Ils attaquent à distance, ce qui est pénible quand on affronte déjà des ennemis. Heureusement, ils sont faciles à éliminer. Je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Regarde! Atreus. Viens. Il y a un campement de Jotnar là-bas. Des Jotnar? Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre, même si j'ai... Des géants. Bienvenue à Jotnar. Et Jotnar avait un campement ici. Des géants si près de la maison. Il y a de ça combien de temps?
les ai pas apprises, tu vois. D'accord. Je peux pas revenir en arrière? Autre chose? Espace tes tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris. Quelle est cette chose? On aurait dit un pillard, mais sa voix était étrange. Mère, même père, ne sait pas. Ses ennemis s'enragent et deviennent particulièrement agressifs quand leur cible est gelée. Père doit à tout prix éviter leur explosion givrante, bordel, oh là. Eh, on dirait que c'est un coffre là-bas. Huh?
runique rapide. Soudaine explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis à proximité. Attaque runique. Vous avez obtenu une gemme d'attaque runique baiser de L. Les gemmes runiques vous permettent de personnaliser vos armes pour effectuer des attaques runiques rapides et puissantes. Allez dans l'onglet des armes pour insérer des gemmes runiques dans les emplacements prévus à cet effet. Faites défiler les sélections pour sélectionner l'emplacement d'attaque runique rapide. Appuyez sur X pour sélectionner l'emplacement d'attaque runique rapide. Vous pouvez équiper les gemmes d'attaque runique rapide ici. Chaque attaque runique dispose d'attributs et d'un temps de récupération. Utilisez l'argent, je crois, pour améliorer les attaques runiques. Leurs attributs seront ainsi augmentés. Appuyez sur X pour équiper l'âge de Léviathan de la gemme attaque runique baiser de L. Les attaques runiques équipées sont indiquées par le symbole E pour revenir à l'onglet des armes. Faites défiler pour sélectionner l'emplacement d'attaque runique puissante. Vous pouvez équiper les gemmes d'attaque runique puissantes ici. Il y en a pas. Attaque puissante. Vide pour l'instant. Récupération 30 secondes, type dégâts de zone. Augmente la puissance de l'attaque et inflige des dégâts d'étourdissement. Comment on fait ça? Maintiens L1 et R1. Comment t'as fait ça? Je pense qu'on peut aller par ici. Vas-y. Merci. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Ça craint rien. Tu vois? Ah! Aide-moi. Père, aide-moi. Accroche-toi. Vite. Je glisse. Reste calme. J'y suis presque. C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts. Niveau de difficulté des ennemis. Les niveaux de difficulté des ennemis
est représentée par la couleur de leur jauge de santé et le chiffre situé à côté. La couleur de jauge de santé des ennemis varie du vert au violet en fonction de leur puissance comparée à celle de Kratos. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. Attention, au-dessus de toi!
J'y arriverai jamais. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. Attention!
Au-dessus de nous! Sort de flamme me casse particulièrement les couilles. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. Attention, au-dessus de toi!
c'était le dernier. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important... Ah, c'est... Attends. Ils peuvent attaquer à distance, mais il est possible d'esquiver ou de parer leur projection. Il doit créer son projectile avant de le lancer. Si l'un de nous interrompt son attaque, il devra le reprendre depuis le début. Ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Quand on a un paquet sur le dos, et en plus on est à distance. Oh putain, j'ai super mal au cul. Waouh. C'est la maîtrise. Regarde ça. Lila. Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Lieu d'échange. Nous avons trouvé un ancien marché où les dieux et les géants se retrouvaient pour commercer. Ça devait être avant la guerre. Regarde, là-haut! Quelque chose brise le mur! Quelque chose brise le mur! Là-haut! Il y a quelque chose là-haut! Il y a quelque chose derrière le mur! Déjà que je galérais avec les autres, mais alors eux ils sont encore plus dangereux. Je galérais grave avec les autres, mais eux ils sont vraiment plus dangereux quoi. Il y a quelque chose là-haut! Il y a quelque chose derrière le mur! Des brouillards!
en a d'autres. Il m'a perturbé le gamin. Je vais en chier. Au-dessus de nous, quelque chose brise le mur. Il y a quelque chose derrière le mur. C'est un jeu de merde. C'est un jeu de merde. J'arrête de jouer, c'est le plus mauvais God of War de tous les temps. Au-dessus de nous, quelque chose brise le mur. Il y a quelque chose derrière le mur. Merde.
chose brise le mur! Il y a quelque chose derrière le mur! Des brouillards! Casse les couilles. Elle me casse les couilles. Mano à mano. Allez, vas-y, viens. Fatigué. Ah si, je suis fatigué. Ça, c'est de la satisfaction. Quand le gameplay est bon et que tu réussis... Il y a une ouverture là-haut. Quand le gameplay est bon et que tu réussis à un combat, là, c'est de la, c'est de la satisfaction. Mais quand le gameplay est pourri comme Crash Bandicoot et que tu réussis, t'es juste dégoûté d'avoir joué à cette merde. Voilà. Là-haut, regarde, une ouverture. Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas.
Mais... Il s'approche du champ bizarre, alors. D'un combat hyper dur et je reviens sur un combat hyper dur. Comment ça me casser les couilles. Mais qu'est-ce que c'est? On s'approche du champ bizarre, alors. Des revenantes, vous rencontrerez ces horribles et puissantes utilisatrices de cèdres, je crois, en explorant les terres que vous traversez. Le bestiaire vous indiquera comment les vaincre. Vraie revenante, j'aurais jamais pensé en voir une de si près.
maintenant le bestiaire. Revenante vénineuse. Vénineuse. Mère m'a dit un jour qu'une certaine sorcière vendait des petites parties de leur âme ici et là pour mieux maîtriser la magie cèdre. Au bout du compte, elles perdent toute leur humanité et deviennent des revenantes. Elles peuvent disparaître d'un coup, et ce type-là en particulier peut empoisonner par son souffle et son toucher. D'accord. On se croirait dans The Witcher. Les mecs ont bien compris qu'il n'y avait pas besoin de faire un open world pour faire un bon jeu. Après, j'ai rien contre les open world, mais... C'est pas une obligation, l'open world. On peut faire un jeu super sympa. Je suis prêt. Toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Regarde là-haut. Je vois rien là-haut. Non, je vois rien du tout. Ces drogards de base ne sont ni très forts ni très rapides. Nous pouvons les contrer, les éviter et les éliminer facilement. Manier les armes mortelles, mais ne les maîtrise pas. Contrairement à Père et Sage et les observants, il est facile d'esquiver et de parer les attaques. Ah! 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 Ah
Pokoron ce côté. Ça dit que son nom est Rungnir. Ner m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il a pris part à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le Serpent Monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. L'idiot. Chaque fresque relate une histoire d'un géant légendaire. Fresque 2 sur 11, les géants laissés derrière des fresques retraçant des événements de leur histoire. J'adorerais les légendes que ma mère m'a racontées. Je me demande combien il en existe. Oh putain, j'ai mal au fion. Puissant géant de givre et de pierre, il semblerait qu'un terrible combat les opposait aux dieux, As et Van. Ils affrontent Thor, mais ils perdent tous les deux, on dirait. Atreus. D'accord. J'ai déjà vu ce langage. Svartalfen scellé. Le royaume des nains est sécurisé en échange de notre protection contre les rôdeurs ailés. Ils ont cédé le contrôle de leurs frontières à Asgard. Grâce à la prévoyance d'Odin, les Van ne peuvent plus compter sur l'aide de Svartalfen. Les elfes sont suffisamment distraits. Tout se passe comme prévu. Le gardien Corbeau. Avec toutes ces histoires d'elfes, de nains, de tout ça, j'ai l'impression d'être dans un The Witcher. Par contre, je sais pas où je dois aller en fait. Par où ? Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris ? Mais... je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout.
Perdu? Non. Alors c'est comme ça qu'on descend. Il m'a défoncé en un coup, pourtant j'ai régénéré mon énergie. C'est quoi ce bordel? Suis-moi, Atreus. J'ai hyper mal au ventre. Putain, j'ai super mal au ventre. Je sais pas ce qui m'arrive. Plutôt, t'as dit que les gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Écoute ton père, Atreus. Alors c'est comme ça qu'on descend. Ah!
Tu m'étonnes, il est niveau 3. Je me suis dit c'est bon, je peux le défoncer, il m'a bite, ouais. Je l'ai étourdi pendant 2 secondes, il m'a niqué ma race. Et je dois recommencer tout. Et je dois tout recommencer. Cet enculé, le niveau 3, quoi. Alors c'est comme ça qu'on descend. Puis je l'ai pas récupéré. Quel con. Eh ben on y retourne. Atreus, suis-moi. Désolé, je pensais à autre chose. Alors c'est comme ça qu'on descend. Jamais réussir ou quoi? J'espère qu'il n'y en a pas un autre. Hein. Atreus, avec moi! C'est bon, j'arrive! Le garçon, il s'est téléporté. Alors c'est comme ça qu'on descend. Merde, non !
Faut que j'esquive ses coups, faut que j'esquive ses attaques. Faut vraiment que j'esquive ses attaques, faut que j'arrête de faire de me protéger avec le bouclier. Enfin, je me protège, mais il faut surtout que j'esquive ses attaques. Alors c'est comme ça qu'on descend. Atreus, ici. Oui, père. Alors, c'est comme ça qu'on descend. J'arriverai jamais.